Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans cette Citroën C4, C4 deuxième génération. Alors, regardez, je vais mettre la clé et je vais mettre en route. Donc là, on a mis en route. Et comme vous pouvez voir, l'autoradio, il affiche des fois le logo, très rapide, ça ne dure même pas une seconde. Et euh, du coup... Faites attention, vous allez voir, il va peut-être se réallumer. Voilà, comme il vient de le faire là à l'instant. Et du coup, euh, et la voiture, hein, le pire, c'est qu'elle a à peine 103 000 km. Donc elle n'est pas, euh, pas si vieille que ça. Euh, donc le devis de chez euh, Citroën directement pour la, le remplacement du matériel, euh, il avoisine les 2 000 euros. Voilà, et puis euh, nous, euh, en matériel euh, euh, donc euh, de remplacement, bah, d'ailleurs, qui est ici, vous voyez, là, on va être euh, beaucoup moins cher, euh, mais vraiment beaucoup moins cher par rapport à cet écran ici, qu'il y a d'origine, qui est assez petit. Bah, nous, l'écran, il va venir de là à là. Voilà. Vous verrez, il va même descendre un peu. Donc, l'autoradio, il fait que ça. Je peux faire tout ce que je veux. On va voir s'il y a un CD, d'ailleurs. Non, il n'y a rien. Niveau son, rien. Navigation. Voilà, Et on, on, on entend un petit bruit hein, qui se fait de temps en temps. J'appuie, vous voyez, il n'y a rien. Euh, les commandos volants volant, ici, pas bah, plus de son. Oui, c'est ça. Voilà, donc vraiment, on n'a pas du tout d'informations, euh, on n'a rien. Donc pas de GPS, euh, on n'a aucune info. Voilà, donc résultat du course, on va remplacer le matériel et vous allez voir le changement. Donc on va faire ça comme d'habitude, petit à petit. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, on enlève l'enjoliveur ici où il y a les euh, comment s'appelle les, euh, les bouches d'aération, les enjoliveurs du, de l'écran, donc on enlève les, les vis hein, ici et puis un peu plus bas. Vous voyez, j'ai déjà retiré, donc là après on tire sur la console et on retire l'ensemble. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai laissé allumer. Donc maintenant je débranche. Voilà, donc je retire la clé pour être sûr. Et comme ça, je vais manipuler en toute sécurité et faire la modification. Donc, comme par habitude, on fait étape par étape. Je vais vous montrer tout ça. Et on va faire la, la modification, donc, euh, euh, en espérant qu'on ne trouve pas de mauvaises surprises parce que j'ai vu qu'au démontage ici de cette partie-là, il y a déjà eu du démontage, euh, notamment les vis qui n'étaient plus noires, elles étaient déjà un petit peu euh, blanchâtres et puis il y avait des traces euh, sur les anges Alors attendez. C'est peut-être si c'est peut-être celui-là. Non, c'est si. Regardez ici en haut. Vous voyez, il y a des traces Là en haut, alors qu'il n'y euh, a pas besoin de, de toucher euh, là. Enfin, euh, bref, donc à mon avis, c'est quelqu'un qui s'y connaissait pas beaucoup. Et l'autre, euh, c'est pareil, vous voyez la trace là, ici. Euh, voilà, donc, euh, alors certes, il y a euh, la, la bouche euh, d'aération euh, qui, qui vient euh, euh, cacher, euh, d'accord Bon, il n'y a, a pas de souci, donc en fait, ce pas visible. Mais euh, voilà, c'est des traces de démontage qui font que il euh, bah, y a quelqu'un qui est déjà passé. Et le problème, c'est que si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, bah, le problème c'est que elle va rajouter peut-être d'autres problèmes qui existaient. Et du coup, ça va nous compliquer la tâche. Voilà, c'est surtout ça euh, euh, le, le, mon, mon attention, mon inquiétude. Parce que euh, voilà, s'il y a eu des dégâts de fait derrière... Bah, je vais être obligé de les corriger, je vais passer du temps et euh, en général comme je fonctionne au forfait, bah, je ne vais pas forcément euh, pouvoir l'augmenter au, au niveau tarifaire. Hein, euh, sauf si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là je vais être obligé de prendre des vidéos et des photos d'envoyer au client pour lui faire constater qu'il y a vraiment un gros gros souci et, euh, et à ce moment-là on, on avisera euh, euh, de ce qui se passera voilà euh, donc surtout aux personnes qui s'y connaissent pas beaucoup surtout que vous démontiez c'est pas un problème mais surtout pas de modification, pas de coupe, pas de couper des fils, pas inverser des fils. Ne faites surtout pas ça parce que euh, ça peut être euh, dramatique derrière si la personne elle veut changer de matériel. Nous installateurs, on n'est pas forcément au courant qu'il y a une, une intervention extérieure et du coup, euh, on va brancher un produit et euh, paf, ça peut avoir des difficultés de fonctionnement. Donc, euh, il faut faire très attention à ça. Voilà, donc euh, bon, on va continuer hein, étape par étape comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, on a passé tous les câbles à l'intérieur. Alors, attendez, parce qu'avec le reflet un peu du soleil, voilà, là on est un peu mieux. Euh, donc, euh, comme vous pouvez voir, il y a eu euh, les câbles qui ont été passés. Donc tout est discret comme ça on voit pas euh, l'antenne GPS, l'antenne euh, euh, DAB aussi d'ailleurs et euh, on a déjà tout précablé. Le seul truc qui reste à, à brancher, c'est la prise ici d'alimentation générale sur lequel donc on va installer et puis en même temps, s'il y a euh, on va faire un test avant de tout plaquer. Voilà, donc on a mis un adaptateur euh, personnel euh, ici au niveau de l'antenne FM, voyez après ça c'est le DAB donc pour la radio numérique et ça c'est pour le GPS voilà donc ça euh, on a mis euh, on a récupéré l'usb d'origine qui se trouve en bas donc je ne sais pas si vous arrivez à voir ici à côté de l'allume cigare on a euh, un rond avec euh, une prise jack et euh, USB. Bah, elle est euh, récupérée. Et puis on a rajouté un USB supplémentaire. Par exemple pour charger le téléphone ou faire aussi le, le carplay. Voilà, tout simplement. Bah, donc là, on va remettre tout ça en place pour voir si euh, tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'anomalie de, de fonctionnement. Allez, c'est parti. Bon, c'est le test. Allez, on tourne la clé. Bon bah voilà déjà euh, l'écran s'allume. C'est déjà une bonne chose. Alors la partie chauffage n'a pas, euh, pas été euh, euh, branchée, donc c'est pour ça que euh, c'est complètement éteint. Mais là on veut juste savoir si effectivement au niveau de l'écran tout fonctionne. Et surtout si on a du son, parce que rappelez-vous depuis le début de la vidéo, euh, l'autoradio d'origine n'avait pas de son, n'avait pas d'image, n'avait plus rien. Voilà. Voilà. Euh... Bah écoutez, on va faire euh, un test de tout ça et puis euh, voir si, euh, si tout fonctionne euh, euh, comme il faut. Là, vous avez vu, euh, les commandes au volant pour le moment ne fonctionnent pas. Euh, je vais voir si j'ai euh, suffisamment bien euh, branché euh, tout, tous les câbles, si j'en ai pas oublié un, et puis éventuellement paramétrer tout ça. Voilà, donc on va suivre la vidéo encore. Euh, étape par étape comme d'habitude. Alors voilà on a fait l'installation, on l'a terminé, là maintenant on regarde ce que ça donne la nuit, ça s'affiche comme ça. Et puis euh, bah ici on a des applis, hein, euh, on peut rajouter, etc. Ici, euh, donc application, il y a déjà tout ça qui est installé. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir. Euh, donc la navigation, la radio bien sûr, la vidéo, musique, le Bluetooth, euh, la musique via Bluetooth, euh, audio vidéo euh, extérieur, euh, connexion au téléphone, les informations de la voiture, euh, les pour installer des applications, le CarPlay et Android Auto ici. Euh, Internet, les contacts, l'exploreur de fichiers interne, la galerie photo. Donc, après, vous avez ici euh, la recherche GPS, Aigo qui est installé par défaut. Vous avez aussi Netflix qui est installé, Spotify, euh, Play Store, YouTube qui est déjà préinstallé. Puis après, ici, vous avez des widgets sur lesquels vous pouvez. Euh, revenir sans problème quand vous roulez ça vous indique ici la vitesse voilà et puis euh, donc là la date et l'heure avec la météo la musique ici quand elle est jouée si c'est la radio etc et euh, voilà euh, tout, tout fonctionne très bien euh, on a pas mal galéré parce que en fait il euh, y avait euh, une petite manipulation en fait il y avait une intervention de quelqu'un euh, bah, qui, qui a démonté etc et puis, on s'était pris un peu la tête avec euh, l'USB euh, interne, euh, enfin, euh, celui d'origine de la voiture, euh, qui avait du mal à, à fonctionner. Donc là, ça a été résolu, et puis euh, voilà, ça fonctionne. Donc, quand on coupe euh, voilà, le contact, vous voyez, tout s'éteint. Voilà, donc euh, et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et dès que on met le contact, vous allez voir, ça fonctionne très bien avec le logo donc Citroën. Et puis le passage jour nuit qui se fait automatiquement. Donc là, j'ai pas mis en route, j'aurais dû peut-être, mais euh, je vais le faire manuellement. C'est pas grave. C'est-à-dire que je vais allumer les lumières manuellement et vous allez voir que l'éclairage s'estompe. Donc voilà. Parce qu'en fait, c'est le fonctionnement en fait, d'une tablette de type ordinateur. Enfin, tablette euh, de téléphone, pardon. Donc voilà, ça s'affiche comme ça. Et dès qu'on allume les lumières, regardez, ça s'est estompé et on a les touches ici directes qui se sont allumées. Sont des raccourcis, vous voyez pour le son notamment. Pour revenir au menu principal, si par exemple on met ça, voilà, et puis on appuie ici, tac, et voilà, voilà comment ça s'affiche. Donc, si vous si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, en fait, là, l'éclairage, juste pour info, hein, en pleine nuit. Euh, n'est pas euh, aveuglant comme on peut euh, constater sur certains autoradios qui éclairent tellement que ça devient gênant. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, donc si vous êtes intéressé par une prestation similaire, n'hésitez pas à nous contacter et puis euh, bah, on vous fait un devis hein, sans, sans problème et euh, surtout sans engagement. Euh, et ainsi, euh, bah, vous pouvez euh, aller voir euh, où vous voulez. Euh, en ce qui nous concerne, le matériel est garanti deux ans. Et euh, avec euh, un SAV euh, national. Voilà. Donc, euh, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres montages vidéo. Enfin, euh, d'autres radios, pardon.